Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu de Seigneur, nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutait ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne.
chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible, chaque promesse, chaque promesse dans la Bible, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible, chaque promesse, chaque promesse dans la Bible, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour. Merci notre Père Céleste, notre Dieu. Merci du fin fond de notre cœur pour cette grâce que nous avons encore ce soir de nous retrouver dans ces lieux, bien-aimé Père Saint-Dieu, où tu as permis que ton peuple, Père Saint-Dieu, dans différents endroits aussi, puisse aussi se connecter pour que nous puissions avoir la communion les uns avec les autres, Père Saint-Dieu, et surtout avec toi, notre Seigneur et notre Dieu, pour les privilèges que nous avons dans ce temps d'être éclairés et conduits aussi par toi, Père. Merci vraiment pour ton amour que tu cesses de manifester à l'endroit de chacun de nous, Père Saint-Dieu. Nous crions vers toi parce que nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Seigneur, pour que tu aies encore davantage, mon roi, pour que notre amour à ton endroit augmente encore davantage, Père Saint-Dieu, que dans ces temps aussi, nous puissions vraiment témoigner que tu es vraiment le Dieu que nous aimons, Seigneur. Oh Dieu, nous avons cette soif, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comme nous l'avons entendu, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, notre âme bénit l'Éternel, notre Dieu, pour son amour à notre endroit, pour ce bienfait, Seigneur, parce que tes bienfaits sont innombrables. Mon bien-aimé Seigneur, et chaque jour qui passe et chaque seconde, mon bien-aimé Père Tibissant, nous nous souviendrons toujours de ce que toi tu as fait, parce que si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est vraiment par ta grâce, mon Seigneur. Merci vraiment de cette grâce que nous avons aussi de chanter les chants de Sion à ta gloire, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos enfants, nos frères et sœurs qui avons chanté, Père Saint-Dieu. Merci parce que réellement c'est une grâce de pouvoir réellement être à toi, d'être conduit toujours, bien-aimé Père Saint-Dieu, que nos cœurs soient préparés aussi, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions te rendre un culte qui nous soit agréable. Merci pour les chants et les cantiques. Merci aussi pour le psaume, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour les prières, Père Saint-Dieu, les requêtes qui ont été déposées, que tu as entendues et tu as exaucées aussi, mon Sauveur, parce que quand nous prions, nous avons foi que tu entends, que tu exauces, Père. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, quand nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant aussi à nos frères et sœurs partout où ils sont, quand nous avons demandé sa Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore merveilleux. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons avoir des moments où nous pouvons nous asseoir aussi ensemble. Et surtout, nous pouvons élever nos voix ensemble devant son trône de grâce pour le glorifier de ce qu'il s'est fait connaître aussi à nous. Et c'est aussi un devoir pour tout enfant de Dieu de pouvoir être reconnaissant à son Dieu chaque jour, effectivement, parce que son Dieu, qu'il est notre Dieu à tous, il prend soin de nous, comme nous l'avons prié aussi, il se soucie de nous malgré les difficultés, malgré parfois des moments où on peut se poser la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu voit aussi les difficultés par lesquelles je passe? Est-ce que Dieu vraiment me conduit dans ce que je suis en train de pouvoir faire? Ce sont parfois les questions qui se passent effectivement dans la marche et dans la vie de tout un chacun. Nous le remercions parce que à chaque question que nous avons, que nous nous posons, il est là aussi pour répondre aussi à cela. Et d'une manière ou d'une autre, effectivement, il répondra quand même, pour arriver à pouvoir te rassurer aussi, de pouvoir te dire que ne crains point, fortifie-toi et prends courage. Depuis qu'il nous a fait cette promesse dans les Saintes Écritures, nous devons être rassurés. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. C'est aussi le désir de notre cœur, de ce que nous puissions aussi être conscients que dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, nous puissions réaliser que nous sommes aussi concernés parce qu'il dit « Je suis avec vous
Donc, ce n'est pas avec les autres, mais je dois être inclus dans le vous et que je puisse avoir aussi cette certitude que je marche avec le Seigneur et que le Seigneur aussi marche aussi avec moi. Dans les Saintes Écritures, il disait que tu t'es lassé de moi, en fait. C'est comme ça qu'il reprenait effectivement Israël. Il nous arrive aussi dans notre marche aussi des moments comme ça aussi, sans se rendre compte, il y a une lassitude en fait qui s'installe. Même dans ces conditions, circonstances-là, effectivement, le Seigneur n'est pas loin parce que c'est celui qui nous dit, tu t'es lassé de moi. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi et de moi en fait. Ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ce que notre zèle soit renouvelé. Parce que lorsque nous puissions, nous avons nos regards fixés sur la rémunération. Ce qui veut dire que sur ce que Dieu, c'est cela, je pense, que dans les Saintes Écritures, on se réfère effectivement à cela, à tous ceux qui étaient touchés par le Seigneur et appelés de Dieu. Leur comportement, leur attitude, effectivement, devant beaucoup de situations, démontrait qu'effectivement, qu'ils avaient le regard fixé sur quelque chose. Lorsqu'on nous cite des noms, effectivement, de tout cela, qu'ils sont des vaillants, effectivement, on nous témoigne, effectivement, leur attitude et leur comportement dans toutes les circonstances les plus difficiles, les plus problématiques, effectivement. Prenons les cas, par exemple, de Moïse. Le Seigneur en parle, effectivement, nous a donné aussi les témoignages, effectivement, de la manière dont Moïse pouvait arriver à pouvoir voir. Prenons les cas aussi d'Abraham. Prenons aussi les cas de tous ceux dans les Saintes Écritures. La Bible s'y réfère, effectivement, aussi à Daniel, aussi à trois Hébreux croyants et tout cela. Dans les Saintes Écritures, nous pouvons avoir aussi des témoignages qui nous démontrent que ces personnes en question, il n'y a pas eu de moment où ils pouvaient avoir ce qui veut dire que je me lasse, effectivement, je ne peux plus continuer, ainsi de suite, effectivement. Il y a toujours un moment, c'est vrai, dans la marche d'un homme, ça peut arriver, mais quelque chose ramène cette personne, effectivement, à pouvoir quitter de cette phase-là à la phase où il se tient encore. Je vous donne encore un autre exemple. C'était Job. Job, il était dans un état de découragement aussi. Il sentait effectivement, il dit, mais l'arbre meurt, il a de l'espérance parce qu'encore il va repousser, on sait cela. Mais quand l'homme s'en va, et dans ma condition, effectivement, l'homme était dans ce stade-là. Mais vous avez remarqué que quelque part plus loin, quelque chose l'a secoué, effectivement, parce qu'il voyait que son corps était dans le pouvoir déjà détruit, ainsi de suite. Il dit, que mes paroles soient gravées dans le roc, en fait. Il avait quelque chose l'a saisi, la certitude l'a encore enveloppé encore davantage. Il dit, mais que ma parole soit gravée dans le roc, avec un burin dans le roc. Et puis il crie, effectivement, il dit, mais je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Là, dans notre marche, effectivement, et le Seigneur, notre Dieu, il connaît l'homme. Parce qu'il a été aussi dans la condition de l'homme aussi. Quand nous lisons les Saintes Écritures, les Saintes Écritures nous témoignent qu'effectivement, qu'il a porté nos infirmités. Il a porté tout. C'est-à-dire que il devait être dans la condition de pouvoir ressentir tout ce que toi tu ressens, ce que moi je ressens, des moments de pouvoir vouloir abandonner, au moins de pouvoir dire mais je ne peux pas arriver, toutes ces choses-là, le Seigneur l'a ressenti. C'est pour ça qu'il est vraiment un secours. C'est pour ça que quand toi et moi nous passons par des situations tellement difficiles, même étant seuls et que nous ne voyons vraiment pas d'issue, souvenez-vous toujours que c'est quand vous voyez que vous commencez à vous enfoncer, sachez une chose, que vous ne vous enfoncerez pas parce qu'il y a toujours une issue
que le Seigneur a pourvu pour vous. Nous n'entendons pas cela pour faire bien. Nous entendons cela effectivement parce que Dieu nous parle. Pour que nous sachions qu'effectivement que c'est Dieu qui est notre Dieu. Il ne nous abandonnera. C'est sûr et certain. À moins que toi, tu abandonnes Dieu. C'est quand toi, tu abandonnes Dieu, que Dieu t'abandonne aussi. C'est pour ça que aussi, quand on parle de ceux, cette importance-là, de ceux qui sont à Dieu, en fait. Nous sommes de Dieu. C'est pour ça que nous lisons dans les scènes qui étaient dites, nous ne sommes pas de ceux qui sont pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi. C'est comme ça que le Seigneur veut de nous, en fait, que dans toutes les circonstances dans lesquelles on peut se trouver, que ta foi ne défaille point. Parce que c'est la chose qui te connecte à Dieu. C'est pour ça qu'on nous fait savoir que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis on nous fait savoir quand même plus tard, dans les Saintes Écritures, qu'il fut fortifié par la foi. C'est toujours cela. Toujours. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir veiller à ce que notre foi soit ancrée toujours dans le Seigneur. C'est ce qui nous accroche à Dieu. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous donne des conseils dans sa parole en nous disant la foi vient de ce qu'on entend. C'est important cela, parce que si tu bouches tes oreilles à ce que l'Esprit dit aux églises, que tu ne veux pas entendre, tu seras aussi stoppé en fait. C'est la raison pour laquelle que Dieu permet et donne la grâce que nous puissions avoir à des moments de rassemblement. Prenons dans les psaumes 50. Psaume chapitre 50. Et nous lisons le verset 1, il nous dit, Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant et autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et les cieux publieront donc sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Amen. Merci Père, et de ce que tu nous permets de pouvoir nous retrouver encore ensemble, Père, dans ces lieux que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir et de lire vraiment ta parole à toi. Pardonne-nous, Père, et tu connais nos faiblesses et nos manquements aussi. Nous te demandons grâce, vraiment du fond de notre cœur. Que ta bénédiction et ton soutien nous soient accordés. Donne-nous encore l'entendement et la grâce pour le temps que nous avons pour entendre ta parole. Pardonne-nous, Père, et pardonne-moi aussi. Je demande cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, nous lisons dans une écriture que nous venons de pouvoir lire aussi entendre.
Il nous a parlé, effectivement, que dès le départ, que Dieu, l'Éternel, il montre déjà aussi ce qu'il est, en fait. Pour nous dire, il vient, donc, notre Dieu. Et puis, plus bas encore, on nous fait savoir, il dit, verset 5 dit, « Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices, et les cieux publieront donc sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Et puis plus bas, il dit encore, « Je suis Dieu, ton Dieu à toi. » Donc il montre effectivement qui il est. Parce qu'il dit, il convoque la terre, il montre effectivement l'autorité qu'il a effectivement. Il est le Dieu de toute la terre, en fait. C'est lui qui a amené à l'existence chaque être humain, chaque cellule que l'on peut voir sur cette terre qui existe, auquel les gens se revendiquent, on voit dans le laboratoire, on peut manipuler des cellules, effectivement, se donnant comme si c'était des docteurs, des experts en je ne sais pas moi quoi, mais ils n'ont rien absolument fait. Parce que tout ce que l'on a, tout ce qu'on peut voir, qu'on peut toucher, même manipuler, il n'y a qu'un seul qui a créé. Et tous, effectivement, nous sommes l'objet, en fait, de sa création. C'est bon dans lequel nous nous trouvons, c'est vrai. Les gens peuvent dire beaucoup de choses, effectivement, aussi, et d'une manière ou d'une autre, avec la connaissance qu'ils ont, probablement parce que maintenant, ils sont arrivés à pouvoir avoir des machines et des fusées qui peuvent les brûler. Qu'il s'est dit qu'il peut conquérir le monde, en fait. Parce qu'il a la possibilité d'aller dans l'espace. Ah, il s'est dit aujourd'hui qu'effectivement, qu'il contrôle tout, effectivement. Et par quel moyen, effectivement, il se sent tellement orgueilleux à cela, mais par le système, en fait, de ce qu'on appelle l'Internet. Il a fait en sorte qu'effectivement, que chaque être humain sur la Terre, effectivement, ait cet instrument dans sa propre main, et que dans cette main, dans cet instrument, la personne se sent dans une certaine aisance de pouvoir maintenant mettre tout ce qu'il est. Donc, son identité, et ses photos, et ses échanges, effectivement, et à même tout ce qu'on ne peut même pas imaginer, tout là-dedans. Et il a trouvé les moyens de pouvoir collecter ce qu'on appelle toutes ces informations, effectivement, dans ces instruments, effectivement, pour pouvoir maintenant se dire, je connais quand même chaque personne. En fait, il connaît l'homme, c'est vrai, il arrive par la connexion que vous avez, il connaît ce que vous lui donnez. C'est la vérité. Parce que je ne sais pas si vous pouvez réfléchir, quand la seule personne qui peut donner des informations sur vous-même, c'est vous-même. Si vous ne dites rien, comment ils vont savoir de vous? Mais il y a un être. Même quand vous dites rien. Donc c'est pour ça que ils sont orgueilleux pour rien. Ils pensent qu'ils ont atteint le summum, mais en fait, en réalité, ils n'ont rien atteint. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc c'est-à-dire que, bon, vous devez comprendre que derrière cela, c'est toujours Satan qui cherche à pouvoir démontrer qu'il a la plus grande connaissance. Vous devez comprendre, effectivement. Si vous voyez tout cela, effectivement, c'est qu'il copie, en fait. Et les hommes qui tombent, effectivement, dans ce piège, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, maintenant, il le met dans la tête, c'est vous qui avez fait ça. En fait, ils deviennent beaucoup plus orgueilleux. Mais, vous savez, la sagesse de Dieu, comme dit les Saintes Écritures, la crainte de l'Éternel, c'est vraiment le commencement de la sagesse. C'est pour ça que nous sommes heureux de ce que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir connaître les choses, mais dans le bon sens. Parce que la connaissance qui vient de Dieu, comme nous l'avons souvent entendu, ne peut pas en fait te pousser à avoir l'orgueil. Non. C'est sûr et certain cela, c'est que c'est-à-dire ce que Dieu nous donne en fait, effectivement aussi, d'avoir
l'humilité au-dedans de toi, de reconnaître que dans tout ce qu'il y a, ce que nous avons ici, c'est Dieu qui est au-dessus. Je vous ai l'autre fois donné des exemples, effectivement, pour qu'on ne puisse pas tomber dans l'exaltation. L'homme est arrivé, l'homme est arrivé, l'homme peut dire, ah, maintenant il contrôle tout cela. L'homme ne contrôle rien, il ne contrôle que ce que vous lui donnez de contrôler. Mais Dieu contrôle toute chose. Il n'a pas besoin que vous lui donniez des informations. Il n'a pas besoin que vous lui dites, effectivement, voilà, ici, je vais d'abord, comme dire, on dit, upload d'autres, mettre dans l'ordinateur des informations que vous allez utiliser. Non. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'a simplement qu'à te regarder. Comme l'Écriture le dit. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Car la parole n'est pas encore sous ma langue. Je n'ai même pas prononcé que tu la connais déjà entièrement, ô Éternel. Donc cela nous donne effectivement aussi le respect. C'est pour ça que quand on a une connaissance de celui qui est au-dessus de nous, frères et sœurs, peu importe ce que ceux qui sont en dessous peuvent faire. Non? C'est là le privilège que nous avons de pouvoir, comme l'a entendu effectivement, que nous le connaissons parce que il y a eu une alliance entre lui. Parce que Dieu, il n'est plus un être abstrait pour moi. Avant, oui, il était abstrait. Parce que tout le monde parle de Dieu, en fait. Tout le monde, Dieu qui dit quand même que Dieu existe. Même tous ceux qui sont des athées, ils savent quand même qu'il y a un être suprême, c'est-à-dire Dieu qui existe. Peu importe ce qu'il doit être. Mais maintenant, ce qui est précieux et différent, effectivement, entre nous et les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que ce Dieu qui est considéré comme étant abstrait, qui a déployé toutes ces choses, effectivement, qui contrôle tout sans que l'homme lui dise ce qu'il doit faire, et que lui-même sait effectivement ce que l'homme est dedans. Amen. Donc ce Dieu-là m'a accordé la grâce que ce Dieu-là devienne mon Dieu à moi. Parce que les gens parlent de Dieu, en fait, et ce n'est pas leur Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, ce n'est pas leur Dieu. Donc, le Dieu qui conduit, qui est celui qui contrôle toutes choses, effectivement, il a fait quelque chose avec toi pour que lui soit ton Dieu à toi. C'est un grand privilège que toi et moi, nous avons. Alors, si c'est Dieu-là, il est mon Dieu à moi. Et moi aussi, donc, je le connais parce que il s'est fait connaître à moi. Alors il me dit, glorifie-toi de me connaître. C'est ça, c'est là, ce moment-là, au fin fond de la chose dont je peux me glorifier sous la terre. Ce que je connais, Dieu, et Dieu me connaît. Alors si Dieu me connaît, et que moi, je le connais, c'est qu'il est mon Dieu. Et la Bible me dit, si Dieu est pour moi, est avec moi, alors, que peuvent donc me faire les hommes? Vous voyez, mon frère et ma sœur, c'est pour ça que nous disons, nous ne venons pas dans des rassemblements comme ça par habitude. Ou par dire que non, non, nous devons être conscients vraiment de la grâce que nous avons dans ces bas mondes sur cette terre. Ce n'est pas donné à tout le monde, mon frère. C'est pas, vous savez, ça doit être quelque chose dont chaque fois que nous, c'est-à-dire que nous quittons chez nous, nous venons dire, Seigneur, je viens pour te dire merci. Parce que vraiment, toi qui es si grand. Donc, c'est-à-dire que, représentez-vous cela dans votre esprit. Toi qui es si grand, c'est-à-dire que, on nous dit que l'espace même, le ciel des cieux, ne peuvent pas, c'est-à-dire que tu as tellement de choses à faire.
Il ne te manque pas les choses à faire. Parce que tu contrôles les planètes, sous les planètes, tu connais ce qu'il y a là-dedans. Ce qui peut bouger même là dans les liens de... Tu connais cela. Chaque chose qui peut bouger, chaque esprit, tout qui peut... Partout dans tous les lieux, tu connais cela. Donc tu contrôles même en dessous des eaux. Donc tu es tellement occupé. Mais dans tes occupations, alléluia, tu connais même mon nom. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux à toi me voyaient. Ce n'est pas le cas de tout le monde sur la terre, Seigneur. Quand je suis malade, tu te tracasses. Mais quand l'autre est malade, tu ne te tracasses même pas. Quelqu'un qui est dans le monde, Dieu ne se tracasse pas. Mais pour toi, oui. Quand j'ai un problème, Seigneur, tu n'es pas insensible à mon problème. C'est comme ça que David dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme que je suis? Alléluia! Pour que tu soucies tant de moi, Seigneur. Il y en a tellement de milliards. J'aurais pu être un adorateur de soleil, adorateur d'une vache, adorateur d'un chien, d'un serpent comme les autres. Mais qui t'a fait connaître à moi? Alléluia! C'est pourquoi mon âme te loue. Je te loue parce que Seigneur, ce que tu fais me dépasse. Une science aussi merveilleuse, Seigneur, c'est grand. Tu contrôles les espaces, mais tu me connais. Quand je me mets à genoux, lorsque je pleure, mon Dieu, tu es là aussi, mon sauveur. Comment ne pas donc te louer? Comment ne pas t'adorer? Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, comment ne pas te dire merci, notre Dieu? Tu es vraiment le Dieu merveilleux, Seigneur, oh Dieu. Tu n'es pas abstrait, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment notre Dieu. Et c'est Dieu que nous aimons, Seigneur, oh Dieu. Le Dieu que nous servons, mon bien-aimé Père du Vissant Dieu. Père, nous importe, mon bien-aimé Père du Vissant Dieu, ce que le monde peut programmer. Père, nous importe, mon bien-aimé Père du Vissant Dieu, c'est par quoi nous passons. Mais quelle grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de t'avoir, toi, mon bien-aimé Père du Vissant. Oh, que ton nom soit béni, oh Jésus-Christ. Mon roi, nous réalisons combien ces hommes qui t'ont connu, mon roi, ils acceptaient même d'être brûlés, acceptaient même pas divisant d'être, on veut dire, d'être tranché la gorge, mon bénévole, pas divisant. Seigneur, ils ne bronchaient pas parce qu'ils réalisaient, Père Saint-Dieu, la grâce que tu leur accordais, Seigneur. Mon âme te loue encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, pour ta bonté, mon bénévole, Père Saint-Dieu, pour les merveilles de pouvoir être à toi aussi, mon bénévole, Seigneur. Oh, que tu sois béni, Père. Pourquoi me plaindrais-je, mon bénévole, pas divisant? Pourquoi me lasserai-je de toi? Jamais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a pas une situation qui peut me mettre dans une lassitude à ton endroit. Je m'accrocherai davantage à toi, bien-aimé Père Tibissant. Je te louerai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te servirai, mon roi. Et ma vie sera que pour toi, mon bien-aimé Père. Parce que c'est une grâce de te connaître, toi, le Dieu très haut. Mon âme te loue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme t'adore, bien-aimé Père Tibissant. Oui, tu es Dieu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Si les hommes t'abandonnent, oh, ils peuvent le faire, mais nous n'abandonnerons pas ton nom parce que tu es réellement le Dieu vivant, mon roi. Nous te disons merci, Père. Oh, que ton nom soit béni, mon roi. Merci, Père, oh Dieu. C'est vrai que Job dit, je parlais des choses qui me dépassaient. Oh, Dieu, j'ai répliqué. Sans intelligence, mon bien-aimé Père Tibissant, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu, Seigneur. C'est pourquoi je
Je me repens. Je te glorifie. Je te exalterai toute ma vie entière. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Nous ne voulons plus être dans les habitudes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Être joyeux quand ça va bien, être, mais pas joyeux quand ça va mal. Non, Seigneur Jésus, nous voulons, comme tu as dit, réjugez-vous toujours en tout temps. Et c'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans ta maison à toi, nous nous réjouissons parce que tu es vraiment vivant, mon Sauveur. Merci pour la grâce que nous a accordée de pouvoir y être encore aujourd'hui. Oh Père Saint, merci encore d'avoir des moments où nous pouvons réaliser l'importance que tu es, Seigneur. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur oh Dieu, nos sœurs, nos jeunes sœurs dans les études, mon roi, qui passent un moment tellement difficile, mon bénémoine, Père Dieu, parce que c'est à ta parole, à toi qui viens prendre position, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Toi, tu n'es pas ignorant de cela, et tu vois, mon Sauveur, souviens-toi de chacun de nous. Merci pour ces instants et fortifie ton peuple, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci que ta flamme brûle encore dans notre cœur, mon roi. Comme il est écrit que les ailes de ta maison me dévorent, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Que cela soit ainsi. Je prie aussi pour mes frères et sœurs qui sont connectés en connexion dans différents endroits et partout où ta parole à toi leur parviendra, Seigneur, qui se souviennent de cette grâce, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de pouvoir réellement te servir. Oh Dieu, peu nous importe, Père Saint-Dieu, chaque jour qui passe. Seigneur Jésus, nous voulons être toujours bouillants pour toi. C'est le temps, c'est l'âge, Père Saint-Dieu, l'âge où les mauvais esprits, Seigneur Dieu, comme les diables, c'est toujours afin que le peuple soit toujours froid. Oh tiens, mon béni, mes Père Saint-Dieu, toi, tu veux que nous soyons bouillants, Seigneur. Et c'est cela que tu veux de nous, Père Dieu. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir. Bénis ton peuple, mon béni, mes Pères. Merci. Merci encore en ce jour. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce. Et merci encore pour ton amour. Souviens-toi de ton peuple qui ce soir est rassemblé en cet endroit, que tu le bénisses et sur le chemin de retour dans leur demeure, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Laisse que la flamme continue à voir brûler davantage et savoir que nos rassemblements sont des rassemblements où toi tu veux que nous puissions toujours être enflammés d'amour pour toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, car rien ne puisse davantage faire obstacle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais que nous laissions tout de côté. Mais que nous puissions simplement avoir nos yeux fixés sur toi, mon Sauveur. Merci parce que c'est toi qui l'es fait dans notre vie. Merci pour cela, Père Dieu. Nous voulons que la victoire que tu as manifestée à notre endroit, tu as accomplie par cela, Père. Oh Dieu, puisse encore davantage prendre place dans notre vie. Sois béni. Merci, Seigneur. Et gloire à toi. Honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom pour ces moments que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, et enrichis-nous encore davantage dans la marche avec toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Ce n'est pas de l'or et de l'argent que nous voulons, que nous cherchons, bien-aimé Père Tubissant, mais ce que nous désirons, ce que c'est être dans ta volonté parfaite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à pouvoir vivre pour toi, oh Dieu, pour le peu de temps qui nous reste sur cet éternel roi. Nous voulons nous y donner, Père Saint-Dieu. Nous voulons pas nous lasser de toi, ni nous fatiguer pour des choses inutiles. Je préfère, Père Saint-Dieu, m'approcher davantage à toi et te servir encore chaque jour, Père Saint-Dieu, à chaque instant, Père Dieu, priant pour ton pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es réellement Dieu. Oh, que ma bouche te loue, que ma bouche t'exalte encore, que mon cœur puisse t'aimer davantage, mon roi. Sois donc béni, sois donc exalté encore en ce jour, mon Sauveur. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci réellement pour tes compassions. Et encore ce soir, sois exalté, Père Dieu, pour tout le bienfait que tu nous as donné, pour tous les témoignages que Père Saint-Dieu, que nous avons pu entendre, recevoir, même de différents endroits. Je te prie de bénir encore le pasteur Moïse là-bas, Seigneur, et mon précieux frère Marcelin, tout. Père Saint-Dieu, tes enfants, toi, partout où ils se trouvent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu travailles, parce que tu œuvres encore davantage, c'est pour ta gloire à toi, c'est ton œuvre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, c'est toi qui ouvres des portes et qui, toi qui touches davantage le cœur
ou que ton peuple revienne véritablement à toi, Seigneur. C'est vraiment le temps et nous voulons nous préparer aussi pour que nous soyons dans la condition, Seigneur, où toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, tu prends vraiment le contrôle à 100% et que les âmes qu'on a appelées, à tirer de loin de toi soient ramenées véritablement à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vraiment le temps où nous avons encore soif et oh, besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où toi tu le veux, Seigneur, que la soif soit encore Père Saint-Dieu dans notre cœur. Bénis ton peuple, protège et fortifie mon roi. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, Père. Sois béni. Oh, fortifie-nous encore. Merci. Merci, sauveur béni. Tu es pour nous aussi, toi, tu es pour nous. C'est vrai, mon bien-aimé Seigneur et sauveur. Nous savons encore. Nous sommes passés de la mort à la vie et que, avec toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous sommes sûrs et certains que nous atteindrons le port, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que tu as dit avec certitude que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, Père Saint-Dieu, parce que son cœur est affermi et confiant à l'éternel, son Dieu. Merci, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ce que tu t'es fait vraiment. Oh Dieu, la grâce va être notre Dieu, bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est la vérité, Seigneur. Nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Merci parce que nous avons maintenant un Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Oh, merveilleux est ton saint nom, mon roi. Tu l'as dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Béni soit ton saint nom, mon roi. Nous t'avons reçu et nous te croyons. Louange à toi pour ton amour à notre endroit de te faire connaître, de te faire connaître à nous, Seigneur, pour que nous puissions aussi avoir part à cela. Béni soit ton saint nom. Aujourd'hui, notre vie ne peut être que centrée sur cela. Ne peut être pas du besoin que fixée sur ce que toi tu veux de nous, bien-aimé Père Saint-Dieu, à vivre pour toi et à ne servir que toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à ne penser qu'à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, à nous voir seulement nous confier en toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, à ne nous soucier que de toi, oui, Père Dieu. Parce que tu as dit que nous devons nous reposer sur toi, nous soucier de toi, parce que toi tu prends soin de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons cela, mon bien-aimé Seigneur. Oh, merci pour ta bonté. Merci pour et ton amour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que chaque moment, chaque jour, car nous avons des rencontres, nous sortons de ces lieux, car il y a vraiment un véritable changement dans notre intérieur, mon roi, et que nous puissions vraiment être changés, transformés, oui, Père, et les caractères transformés, changés, mon bien-aimé Père Dieu, notre nature aussi, changée, mon roi, et qu'en sortant, que vraiment, qu'il n'y a que ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, qui nous préoccupe, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que nos problèmes, nous les déposons toujours à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en toi, bien-aimé Père Tibissant. Rien, tu as dit, tu traverses les eaux te submergeront point, mon bien-aimé Père Tibissant. Les problèmes vont te submerger, bien-aimé Père Saint, parce que tu es vraiment un soutien dans tous les domaines financiers, Père Tibissant, Dieu. Dans les domaines, tu pourras toujours, mon roi, même si nous, traversons, nous ne pourrons jamais, Père Tibissant, Dieu, ni t'abandonner, ni même penser à pouvoir te laisser de côté, à compétence, parce que toi, tu es toujours vivant, parce que tu es plus grand que tout, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Tu es celui, c'est Dieu, Père Tibissant, qui Abraham s'est confié. Malgré que quand un homme pouvait regarder, il n'y avait pas Père Tibissant d'ici, mais il a dit, mais l'éternel, c'est pouvoir à lui-même de le cause, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as vraiment eu un fils, mon bien-aimé Père Tibissant, un serviteur véritable, qui a eu confiance en toi. Il ne regardait pas à lui. Il était même prêt à voir sacrifier son propre fils, mon bien-aimé Père Tibissant, parce qu'il avait confiance et foi en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, aide-nous encore, mon bien-aimé Dieu. À savoir qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Et Abraham avait confiance, comme la Bible déclare, Père Tibissant, qui savait que même si il tuait Isaac, tu ferais tout pour Isaac soit ressuscité, Seigneur. Il avait une telle foi en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que tu as dit, Abraham, arrête, Abraham. Seigneur, tu es Dieu, mon roi. Je te suis vraiment reconnaissant. Merci pour ta bonté, mon sauveur. Merci encore pour cet amour divin. Je t'en supplie, mon roi. Et bénis mon frère et ma soeur qui est donc en connexion, qui passe aussi par des moments tellement difficiles. Et
Il se sent comme lassé en certains moments et puisses-tu vraiment l'assister afin qu'il réalise que tu es le Dieu vivant qui a toutes choses sous ton contrôle, mon roi. Les événements, Père Saint-Dieu, tout ce qui peut arriver, rien n'échappe à ton contrôle, à toi. C'est toi qui peux dire au vent, vent, tais-toi, mon bien-aimé. Lorsque tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur, oh Dieu. Nous avons un Dieu vraiment tout-puissant, le Dieu très haut. C'est pour ça que nous te devons du respect, nous te devons donc de la crainte, mon bien-aimé, Père Tibissant. Oh Dieu, comme les séraphins, Père Tibissant, devant toi, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Oh Dieu, comme les quatre êtres vivants, Seigneur, nous te remercions, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Pour voir combien tous ces. La Sainte-Trinité avait six, Père Tibissant, Dieu. Comme Esaïe l'a vu, mon bien-aimé, Père Tibissant, deux pour se couvrir la face, parce que, oh, tu es saint, mon bien-aimé, Père Tibissant. Pour se couvrir aussi les pieds, bénémoine, Père Saint-Dieu, des pauvres aussi volés, Seigneur, nous rendons gloire à ton Seigneur. Si eux qui sont devant ta face te doivent autant de respect, de la crainte, mon roi, bénémoine, Père Saint-Dieu, alors nous, Père Tibissant, encore plus grand, encore davantage, mon roi, le respect. Nous ne voulons pas nous habituer à toi, mais nous comporter comme nous le voulons dans ta maison, Père Tibissant, Dieu, dans ton service à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, nous te devons du respect, Seigneur, oh Dieu, et la crainte à ton endroit. Merci, parce que vraiment, c'est une grâce de nous avoir accepté même de donner grâce de voir aussi parler de toi, de chanter pour ta gloire, de prier ton nom, bénémoine, Père Tibissant. Seigneur, c'est une grâce, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu ne manqueras pas de bouche, bénémoine, Père Tibissant. C'est une grâce, mon bénémoine, Père. Merci parce que tu es réellement le Dieu. Louange et honneur à toi. Merci, Père. Merci. Personne ne pouvait le faire, mon bénémoine. C'est vrai. C'est vrai. Je te remercie pour cela, Père. Gloire à toi. Nous le croyons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions, mon sauveur. Oh, gloire à toi et honneur à toi, mon sauveur. Merci, Père. Que ton nom soit béni, mon sauveur. Merci. Tu n'en as pas, mon sauveur. Tu ne peux pas être comparé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es incomparable, mon roi. Merci. Merci. Louange à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oui, Père, gloire à toi et nous te disons merci. Nous chanterons le chant des Sion pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Tu l'as fait, Seigneur. Et nous te remercions, mon sauveur. Nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire et nous bénirons ton Saint-Nom pour ce temps. Merci. Merci, Père. Oh, tu combats aussi pour nous, Père Saint-Dieu. Père, nous importe, mon roi, combien le monde peut se déchaîner, combien les démons peuvent se déchaîner, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Père, nous sommes tranquilles, mon roi. Nous sommes dans la paix, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, parce que tu es là, mon bien-aimé, Père Dieu. Tu es notre assurance, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, tu es réellement notre paix. Louange à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Merci de ce que tu existes, mon bien-aimé, Père Dieu. Merci de ce que tu as accompli, la parole, mon bien-aimé, Père Tibissant. Alors, nous sommes tranquilles, mon bien-aimé Seigneur, parce que tu es avec nous. Béni soit ton Saint-Nom. Et aujourd'hui, Père Saint-Dieu, et aussi sera pour demain, bien-aimé Père Tibissant. Le lendemain aussi, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, jusqu'à ce que tu viendras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens-nous afin que nous soyons toujours aussi fervents, bouillants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et ne suivant pas les penchants de nos cœurs, même de nos pensées, Seigneur. Mais toujours ce que ton esprit à toi, bien-aimé Père Tibissant, nous dit par ta parole à toi, Père. Ce que ta parole à toi nous déclare, Seigneur, nous aimons ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous la désirons, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu. Et nous la serrons vraiment dans notre cœur, mon roi, afin de ne point pécher contre toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Père Saint-Dieu, nous voulons que tu es en grâce. Nous voulons trouver, Seigneur, tout tracé, même dans ton cœur, mon bien-aimé Père Tibissant, ce que toi tu veux. Alléluia. Seigneur, tiens-nous encore, mon roi. Alléluia. Tes préceptes sont vraiment nos conseillers. Oh, c'est vrai, Père. Nous aimons ta parole. Père, corrige-nous. Oh, même si tu es dur, mais nous acceptons cela, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que ta parole est vraiment, oh Dieu, et lumière pour nous recevoir. Que tu nous aides, mon bien-aimé Père Tibissant. Continue à nous parler, même durement, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, nous accepterons et
Oh, nous ne cherchons pas les choses qui nous plaisent, mais bien-aimé Père Saint-Dieu, mais la chose qui te plaît, parce que ce qui te plaît, c'est ce qui nous plaira aussi, Seigneur. Oui, suivant te souvenir encore de nous, mon roi. Nous t'aimons, nous t'aimerons toujours. Nous te servirons toujours, mon roi, et de tout notre cœur, mon roi. Nous voulons plus nous occuper d'autre chose. Et ce n'est que ce que toi tu veux de nous, Père. Pardonne-nous, soutiens-nous encore aujourd'hui, Père Dieu. Tu as dit, oh Père du Puissant, que nous puissions déposer nos fardeaux sur toi. Nous les apportons à tes pieds, Seigneur. Nous voulons simplement nous occuper de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ta parole à toi, de vivre simplement ce que tu veux. Pardonne-nous, Père Saint-Puissant, parce que parfois nous nous sentions dépassés, mais là tu nous ramènes encore davantage à réaliser que nous devons simplement nous occuper de ce que toi tu veux. Toi, tu t'occupes de nous. Béni soit ton Saint-Nom. Raccompagne ton peuple encore, Seigneur, et dans leur maison, qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés, parce que leur Dieu vit. Oh, merci, parce que, Seigneur, tu as dit, rien ne pourra vous nuire, ils sont à toi. C'est un peuple béni, Seigneur, une race élue, un sacerdoce royal, protégé par ta main puissante. Nous te remercions pour ce soir, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu dans mon cœur, qu'importe les mots, la douleur. J'aime Dieu, Jésus, mon sauveur. Viens mon grand. Viens, ne me douleur. Espérance, la joie,
notre Père Céleste et notre Dieu, parce que tu es incomparable. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Dans les moindres détails, tu prends soin de nous, Seigneur, comme un père prend soin de ses enfants, notre Dieu. Tu nourris nos âmes, Seigneur, et nous nous sommes réellement rassasiés, mon Sauveur. Dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous désirons encore plus, notre Dieu. Bénis-nous, garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main, Père. Ce que tu fais, Seigneur, c'est au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir, mon Sauveur. C'est dans la profondeur, notre Dieu, que toi, tu es en train d'opérer réellement des miracles, des changements, des transformations. Voilà pourquoi nous voulons nous laisser guider, nous laisser tailler par toi, notre Dieu. Tu es le potier, nous ne sommes que l'argile, Seigneur. Donne-nous la forme que tu veux, Seigneur. Débarrasse-nous de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Bénis ton serviteur encore davantage, Père, que ce qui est sorti, que tu redonnes encore davantage, notre Dieu. Bénis notre assemblée, Seigneur. Oh, garde-nous dans l'unité de la foi, de l'esprit, que la parole, Seigneur, que nous recevons, Seigneur, nourrisse nos âmes et nous fasse grandir dans ta présence. Louange à toi, notre Dieu. Honneur et puissance à toi, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Ce cœur et nous allons prier et rentrer à la maison. Mon Dieu est si bon, il prend soin de moi. Ce Dieu